J'ai rien contre le nord de la France, c'est juste que moi je suis quelqu'un de très frileux en fait. Et c'est-à-dire qu'en dessous de 20 j'ai froid. Donc, bah y'a jamais dans le 59 télé. T'inquiète pas. Eh, ma tour elle était stable. Ah, ça y est, Téné recommence le vol. Lâche à l'arbitre. Non mais ça c'est un truc sur lequel il faut vous y attendre. Dès que Téné va jouer à Tricky Tower, les trois premiers rounds elle va pas gagner. Et ensuite elle va totalement acheter l'arbitre. Bah du coup s'ils vont réussir à me rejoindre. Fanta y a eu les frais. Ah mais on les a tous eu les frais. Fanta le premier, moi ensuite, Nyonyo, tout le monde. Moi ça va, j'ai pas encore eu ce problème là. Alors c'est pas mon modo, c'est Newell Black. 59 en force, ça dit dans les commentaires. Ah. Je crois que ça a planté Tricky Tower. Non mais Lolo il est du 59 aussi donc voilà. Bah, je suis pas du 59 mais j'ai quand même vécu pendant assez de temps pour. Ouais, ça plante, j'ai l'impression que ça plante Tricky ce soir. Faut y penser comme à la patrie. Ah. Oh non, on est dans la merde, il y a des archimages quoi, on a perdu, laisse tomber. Le mieux c'est les Lorrains, cherchez pas. Bah ma petite sœur est Lorraine. Moi je vais pas parler de chez moi parce que je suis dans un endroit un peu. Je suis où? Je suis là. Et les briques étoiles. Parce que chez les Lorrains, on a la Mirabelle et la Wish. Oh. La Wish Lorraine. Noël, je tiens à te le dire, ceci n'est pas du... Tu es dans... Ça passe. Non, c'est pas les mêmes que la semaine dernière. Enfin, il y en a oui, il y en a non. Ça passe. Des trucs complètement aléatoires, là. J'aimerais me remercier Téné pour cette partie où elle m'a laissé acheter l'arbitre, je pense. Là, chacun son tour, hein. Là, si c'est pas de l'achat, je sais pas ce que c'est. Oui, mais tu l'as payé comment? Ça, on se demande. En nature. Mais non, ça marche pas, ça. Moi, je veux que tu me payes la Switch. Tu peux me payer la Switch? Ah, mais c'est pas toi que j'ai payé. Moi, j'ai payé l'arbitre. Aïe. Le monsieur à gauche, il a planté. Du coup, j'espère qu'il nous fera pas planter notre game. Ça va être embêtant, sinon. Ou alors c'est moi qui plante. Quoique non, on est deux à bouger. C'est pas moi qui plante. Je suis un peu dans la merde là en fait. Ou alors je plante, j'en sais rien. Vous m'entendez bien vous sur le stream, tout va bien? Oui, bah nous on t'entend bien ici quoi. Ici on t'entend bien, t'as pas l'air d'avoir de ping. Je fais des bêtises. Non mais là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais des bêtises en fait, je fais que de lire le stream et j'ai très mal à la tête. Du coup je n'arriverai pas à jouer à Tricky Tower ce soir. Des excuses. Ouais, non, mais là, genre, je vais finir le live, je vais prendre des cachets, je vais dormir. Que fait Téné après un live? Une sieste de 15 heures. Le meilleur cachet, c'est du Kissy. Oh! Ouais, un petit peu trop enrichi en rhum à mon goût. Kissy, t'es de couleur bleue, non? Oh là 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 là! Mais non! Non! Ah, j'étais obligé, désolé. Un petit peu très choqué, je vous rappelle que mon stream est tout public. Ah, avec un peu de chance, ils ont pas compris la blague. Oui, voilà. Non, mais c'est une référence à Matrix, bien sûr. Bah oui. Ou à joueur du grenier, c'est non, ma manette, ça peut pas être la faute de ma manette, parce que ma manette, je l'aime beaucoup, du coup, ça va, on se respecte. Non. J'ai Téné, l'électricité, ça existe pas, tout marche à l'amour. Mignon, ça. Oui. Ah, ça me fait penser à la carte que j'ai dû faire, que je t'ai montré, Téné. Je sais pas quoi faire, je suis dans la merde. Attendez, j'ai une idée. Que j'ai dû mettre une attaque qui devait symboliser l'amour éternel sur la carte. Rainbow. Tombé là. Je vais montrer après l'autre. Oui, pas qu'il me la montre. Voilà, je ne peux plus rien faire. Le truc c'est que ensuite normalement il y aura les rediffusions sur mon YouTube. Du coup, j'aimerais éviter qu'il y ait trop de problèmes pour pas que YouTube il m'emmerde en fait. Ah mais en vrai, en silence, sans avoir le stream à côté, j'ai un bon niveau sur Tricky Tower. C'est juste que là, je suis absolument pas concentrée parce que je fais que de lire vos conneries. Du coup, voilà. Comment ça me... D'un coup, le chat va devenir muet. Salut Dragon Soul. Mais non, continue de parler, moi je m'en fous, moi. Honnêtement. Je joue pour vous divertir, mais je suis surtout là pour vous parler, quoi. Attention, Ténébule va vous parler. Elle vous parle.
Et c'est bien de leur parler, moi je les aime bien. Elle va vous parler avec la bouche. C'est bien la bouche. L'autre ça va faire comme dans les vieux trucs là, tu vois, avec le joueur du grenier a déjà parlé. Enfin, c'est dans les trucs de Dorothée là, pas de quartier pour les croissants. Je t'avoue, je l'ai plus. Parler c'est bien, mais avec la langue c'est encore mieux. Oula, j'ai plus la référence. Ça vient d'un joueur du grenier, enfin je sais plus lequel, mais je crois que c'était sur les trucs des séries TV où on parlait beaucoup de. Du club Dorothée. Ouais. Je vais changer de mode. Ok. En tout cas, c'est très sale. Oui. En plus, il y a l'air d'avoir un peu. Je ne gagne pas d'XP, je me sens un petit peu volé là. Ah bah moi non plus. Hein. Bien que. Voilà, la brume est partie. Moi, je me concentre un peu plus. Ça devrait peut-être. Sinon, faut aller sur les combats en ligne. Ouais, mais si j'invite des amis, je peux pas aller en combat en ligne en fait. C'est-à-dire qu'on est pas sûr de trouver. Si, tu peux. Si, normalement, si. Ah bon ? Oui. Ouais. Attends, je vais essayer. Normalement, moi je l'ai vu tout à l'heure, j'avais un bouton où je pouvais inviter des amis. Oui. Bah, attends, je t'invite Lolo. C'est un peu embêtant. Non, trop tard, je t'invite. Ah, je suis quitte du coup. Vite. J'essaie de te rejoindre, mais bon. Ah, il fait pas me. Alors, t'es né. Devine qui c'est que je viens de trouver. Je viens de trouver VLT. Sérieux ? VLT le poli, ouais. Non. Nuel, est-ce que je t'ai bien invité? Ouais, tu m'as bien invité, j'ai rejoint normalement. Très concentré, ouais. Là, vous avez. Non, on retrouve VLT. Ah, c'est bon, je suis là. Bon, Lolo, je suis là. Ça va se faire tranquille. Avec un très très beau pseudo. De mon côté, il y a Jupiter, il lag à mort, c'est terrible. Bah, moi, oh, bah merci, on des XP tous les deux là. Ouais. Ah là, je vois plus rien là, j'aime pas trop. En plus, il y a tout qui lag, du coup, c'est assez embêtant. Je crois que Tricky Tower a du mal ce soir, ou alors c'est les gens, mais. Oh, génial! Oh là. J'ai de l'idée. Merde, par contre, ça, c'était pas prévu. Oh, mais j'ai tout qui est tombé là, c'est mort. En plus, de mon côté, ça a l'air d'être fini pour les autres, du coup, je ne comprends pas. Bizarre. Ça c'est full bugué. Mais je crois que soit c'est le mec qui est premier qui a du mal à hoster, soit c'est Tritoire qui galère. Non. Pas si. Vous m'entendez toujours, hein ? Oui, entendu. Bah moi y a plus rien qui bouge à l'écran Tritoire. Donc je pense que. C'est bugué. Je pense que c'est bugué, mais ça ne vient pas de moi. Ça doit venir soit du jeu, soit du mec qui est premier en fait. Ah, et Lolo. Ouais, la partie est plantée, c'est le premier qui a planté en fait. C'est assez relou. Le green m'a tué, et je pense, Nuel, que tu as de bonnes chances de gagner. Ouais, sauf si l'autre soit toi, soit le premier, parce que là, il. Là, c'est les bons bugs, là. Et là, lui, il est stable. Du coup, est-ce que j'attends, est-ce que je. Je suis même pas quitté. Ah, il est plutôt bon. Ah, il y a le deuxième qui a planté en fait. Du coup. Ah, non, là, c'est. Oh, c'est stable ça? Par le menu. Ça veut bien. Il est vraiment bon. Ah, c'est relou. Je vais devoir faire un Alt F4. C'est trop bien. Bon, du coup. On fait ça. On fait ça. Et on va relancer le jeu. J'ai arrivé plusieurs fois que les mecs qui. Il y a des mecs qui plantent dans la partie. Du coup, ça te plante tout ton jeu. Très joli, franchement. Ouais, il est bien joué. Aucun regret de perdre contre lui. Là, il nous a explosé, là, c'est fini. Bah, du coup, ah, ouais, 21 quand même. 21, joli. Je vais en relancer encore une. Par contre, vu que Jupiter a toujours le même perso que moi, je vais changer. Je vais prendre le Piaf. Et je vais en relancer une. Donc, j'espère que je vais tomber avec vous encore. Et que je ne devrais pas retomber sur ceux qui plantent aussi, parce que bon. Ça c'est embêtant. C'est relou quoi. Tu m'étonnes. Ah, il a pu me rejoindre. Trop bien. Ah, qui t'a rejoint ? Jason Blot. Ah, bah c'est bien. Oh, nice. On
vrai, j'ai envie de prendre mon temps, je sais que je veux. Ah bah là, moi, je tryhard. Là, je suis. Et il y a Spectra aussi. Ça, c'est trop bien. Il y a tout le monde. Là. Avec le piaf, là. Et le perso du fond tout camp. Ouais. Bah, te portera-t-il chance ou pas? On verra bien. Pour l'instant, je suis premier. Pas mal pour l'instant, moi, moi, c'est... Tout à gauche, si. Ça m'a l'air assez stable. Pose la question. Bon, en vrai, c'est plutôt stable aussi. Donc... Là, je peux plus rien faire. J'ai une perte de la stabilité. J'aime pas ce mode de jeu, en fait. Que je parle à Wiz de son histoire de mettre autre chose pour les dons. Maintenant, je préfère vraiment passer par PayPal, perso. Ah, égalité, on est trop fort. Oula. J'ai perdu ma stabilité. Pareil. Ouf. On est trop fort. Tous à 10. Il me les faudrait les blocs en bonbons, ils sont trop mignons. Et des blocs en bonbons? Oui, il y a les nouveaux blocs, ils sont genre des bonbons, du chocolat et tout. Moi j'ai vu du cristal aussi, c'est pas mal. Je me suis fait rembourser un jeu sur Steam, du coup je vais avoir ce 8€ sur Steam, donc... Le tour est pas stable. Peut-être les prendre les blocs bonbons parce qu'ils sont trop mignons. Presque stable. Non, non. Oh, je suis deuxième. Je t'avoue que je sais pas si je suis troisième ou dernier, ma tour s'est cassée la gueule. Au moment le plus fatidique. Et je suis troisième. Ouais, un peu. On est plutôt bien. Voilà, on est dans le classement, moi. Vais-je finir troisième? Sauf que je bloque la dernière seconde. La merde quand même, ça tangue un peu, j'aime pas trop ça. Non, c'est une course en normal ou en difficile? Oh non, Méliane. Je sais pas, j'ai pas trop vu. Ça c'était pas cool. C'est eux qui l'ont choisi, je crois, forcément. On va se tomber. Bon bah là j'ai perdu, là. Honnêtement. Je peux plus rien faire. Tant pis, GG. Oh, je suis pas si méchante que ça. Elle croyait pas. Si, Tenepi, elle est gentille. Voilà. Moi, j'ai quand même des vieux dossiers. Ma santé mentale qui a été traumatisée. Parce que c'était son petit délire de me traumatiser. Nous accueillons aujourd'hui Newell Black qui va nous parler de ses traumatismes engendrés par sa rencontre avec Tenepi. J'étais dans un trou en train de me cacher. Elle est arrivée, elle m'a foutu un saut de lave. C'était traumatisant. Mérité. Ouais, comme la flèche sur ma étoile alors que j'étais barricadé de ouf. Voilà. J'ai pas compris. Ça c'est les cheats, écoute. Ah ouais, non, c'était cheat. Hey, je te jure, l'autre, j'avais mis des grandes mirailles. Enfin, tu vois, au moins deux blocs à chaque fois devant moi pour esquiver les flèches. Je sais pas de où elle a tiré, mais je suis tombé dans le vide. Elle était en face de moi pourtant. Il est vraiment bon le premier. Ah, j'avoue. À tout à l'heure, on est tombé sur des archimages. C'est pas ultra motivant. J'ai pas regardé ce qu'il était en fait. Non, je fais tout tomber, je suis trop bête. Ouais, les archimages ils sont ultra bons. Il construit tout, mais il a construit un bloc. Je sais pas si t'as regardé, Nuel, il avait un bloc. J'ai très honte de ce que j'ai fait. Qu'as-tu fait? J'ai pas calculé mon coup et j'ai fait tomber tout le côté de ma tour. En énigme. Ah oui, ça c'est en plus, c'est triste. Ouais. Oh bah moi je me suis foutu. Oh, GG!
Là, je t'avoue que moi, je joue un tryhard de là. Moi, je me suis foutu dans la merde, tant pis. Moi, je me suis mis dans la stabilité. Moi, je me suis mis dans le jacuzzi. Et nous, on est dans notre jalousie, c'est ça? Moi, je prends, joue plus à Tricky Tower. Les mecs, la prochaine fois, on s'entraîne ensemble. Ouais, si tu veux. Là, j'arrêterai de me faire battre par tout le monde. Et je vais pouvoir battre. Si tu veux, on pourra même filmer, comme ça, au moins, ça nous fera du contenu à tous. C'est très drôle de faire ça à plusieurs, quoi. Ouais, c'est toujours mieux à plusieurs. Ouais, que seul, c'est sûr. Ouais, je pense que je vais finir deuxième à ce coup-là. Ah, moi, je suis dernier. Mais Ah bah, GG, Lolo. Mais il est vraiment bon. Genre là il nous met à mine. Là il a gagné. Un archimage qui est contre vous. Peut-être. Je sais même pas. Là en fait il a fait 3 wins. Une fois il a été dernier dans la course, VLT nous a explosé. Mais il est. J'ai pas pu voir en fait. Moi je suis tombé contre un archimage level 18 en survie. Ça s'appelle Ameken. Non il était mage novice. Ouais je suis sur Ismur. Hop, c'est possible. Comment dire ça la survie, comment ça s'appelle? La survie qui est difficile où t'as des vagues de trucs super durs et tout. Le gars, il a réussi à poser tous les blocs sans perdre une seule vie. Les zigotos, ils ont des chaînes. Aussi. Faites votre pub, allez-y. Mais non, mais la pub, c'est interdit. Je fais pas de pub tout de suite, attends, ça fait un an et quelques que j'avais pas sorti de contenu. On fera de la pub quand plus tard alors. C'est vrai que ça fait plus d'un an, ça date de quand on avait fait la Saint-Valentin en 2016. Jupiter il cheat. Moi je dis. Avant que je sois modo. Il a pris les bonbons, du coup il cheat. Ouais, ça date de quand t'étais encore VIP plus et que genre on a fait la Saint-Valentin, je me souviens, c'était assez drôle. T'as pas une vidéo avec moi? On relançait une, genre tout de suite maintenant, boum. J'étais même pas violet. Alors. Quoique je vais peut-être bientôt me lancer dans du Rayman Rayman 2. Archimage, qui vous intéresse. On a un Archimage, on est dans la merde. Rayman 2, faudrait que tu passes ta chaîne, je t'avoue que j'irai voir. Ouais, pareil, faudrait que tu me la passes. J'avais beaucoup aimé mon Rayman à l'époque. Faut juste que je règle 2-3 trucs au niveau du record. Et. Moi, ouais, je pense que je vais aller m'entraîner à un record, moi, un peu plus tard sur ça pour vérifier que mes settings soient toujours à jour. Moi pour te dire là d'avoir un petit peu monté la vidéo du tournoi du HC de ce week-end qu'on a fait vite fait avec la Team Event, ça m'a permis de m'entraîner un peu plus sur sur Vegas Pro perso. Ouais c'est Vegas Pro, ça fait des années que j'ai pas, enfin ça fait un an. Ah oui, faut que je me remette à... J'avais un petit peu écorché le début de Vegas Pro de savoir comment l'utiliser, mais faudrait que je me remette à jour aussi. Ouais, là je suis content, j'arrive à faire des petits montages avec le fond vert et tout, enfin mettre des effets c'est pas mal. Beaucoup ce genre de petits trucs. Ah non, je fais encore tout tomber, mais je suis vraiment nul. Maître Newell, donnez-moi des cours. Si tu veux je te montrerai. Vous parlez trop, je vous inviterai plus jamais, c'est tout sous bannière de ma vie. Voilà. Oh. Bah écoute, t'inquiète pas Téné, on va te remplacer par de la raquette, voilà. Ah mais non, en plus je fais de la merde. Une femme, ça ne se remplace pas par de la bouffe. Ah bon? J'avoue. La raquette, c'était juste une excuse pour pouvoir rester plus de temps avec Téni. Tu sais qu'on n'a même pas fini les restes. Bah, j'aurais dû rester encore plus longtemps alors. J'avoue. En vrai, moi, je peux pas dire que je m'y connais plus que ça, vu que je suis... free and zone, power. Le maître de la friendzone. Alors, ah oui, les noms, le roi, alors... carrément. Avec moi, il y a l'Otandar, il y a Nuel Black et il y a Kissy Frotte. Et si les zigotos, ils ont des astuces pour Vegas... Bah, il y a beaucoup de... Moi, ce que je conseille pour ceux qui aiment bien se lancer dans Vegas Pro et qui veulent tester des trucs, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Moi, c'est grâce à ça que j'arrive à faire des trucs, franchement. Allez, j'ai regardé quelques trucs sur YouTube et voilà. Tuto Vegas Pro sur YouTube, vous avez plein de chaînes qui font plein de machins, c'est assez intéressant. En fait, faut même pas taper tuto Vegas Pro. Vous pouvez, mais vraiment taper en fait pour l'effet que vous voulez. Ouais, voilà, par exemple. Il y a des tutos vachement spécialisés. Il y a même des sites qui répertorient les tutos en faisant des top 50 des meilleurs tutos. Ouais, les trucs, c'est super bien foutu, honnêtement. C'est vraiment bien foutu. Pour te dire, par exemple, moi, pour le...
pour le fond vert, par exemple, j'ai juste tapé fond vert Vegas Pro, bah, il m'a direct sorti une vidéo. Oui, ouais, c'est ça, c'est ta sortie direct à mon truc, truc de qualité en plus, c'est bien. Ouais, et qui m'a juste expliqué qu'il fallait aller dans l'incrustation de machin, et enfin dans les effets, quoi, et puis voilà, quoi, que ça, fallait régler la couleur et tout, quand je t'expliquerai en mieux, quoi, mais voilà. Ça se fait très bien. Ouais, ça se fait tranquille. Et après, pour les fonds, pour tous les trucs à fond vert que vous voulez, bah, vous les téléchargez directement sur YouTube. Enfin, je vous apprends pas à télécharger, puis c'est tout, quoi. Non ! Oui. Ça me gênait, ça. J'ai perdu deux pièces. Ah, ça me gênait encore plus. Après, comment dire, moi qui vais faire des Hermès 2, niveau montage, normalement, je devrais pas trop... pas trop galérer. J'avoue que moi, à ce niveau-là, je faisais du LOL, un petit peu de Minecraft, et niveau montage, je faisais ça à la pisse. Ouais, moi je faisais ça aussi à la piste beaucoup avant, j'utilisais beaucoup le Movie Maker de merde. Ah non, ça c'est honteux un peu, genre. Non mais en vrai, ouais, mais depuis que j'ai vu un peu comment Vegas Pro ça marchait et que j'ai appris comment dire à l'utiliser, bah ça va mieux. Non, je trouve ça un petit peu plus intuitif en vrai. Ténébi, t'es nul. GG. Et sinon, niveau montage, perso, je fais beaucoup sur Illustrator et Photoshop. Bon, ça c'est la base. Ah ouais, c'est la base. Quand t'as... Ça aussi, il y a des tutos. Moi, je suis en train d'apprendre à les utiliser en vrai pour l'école. Et au fur et à mesure, ça va en fait. Tu te rends compte que c'est plutôt simple. Non, mais ouais, j'utilisais pas Movie Maker, moi, franchement, les mecs. J'ai utilisé ça en formation. Ouais, Movie Maker, n'utilisez pas. C'est... Voilà quoi. C'est si vous vraiment vous savez pas de. C'est bien si vous voulez montrer une vidéo de vacances éditée à vos grands-parents. C'est terrible. J'en parlais en plus avec. Vous mettez des textes et c'est tout. Ah Lolo, j'en parlais aussi avec Friederman parce que lui, tu vois, je lui ai dit bah, pourquoi tu fais pas tes montages parce qu'il doit faire les autres montages de ouais, l'event, voilà. Mais il m'a dit qu'il y a que Movie Maker et que quand il avait essayé d'installer Vegas Pro, il n'y avait pas moyen. Je dis pourtant, c'est fastoche hein, de l'installer. Ça se trouve. Ouais, ça se trouve hein, sur YouTube. Okay, pas dit truc illégal sur ma chaîne, merci. Non. Non, Newell, je l'ai vu, Newell. Je t'ai vu faire ça. Voilà. Sache que je te hais. Mais tu méprises pour avoir fait ça, Newell. Du coup, ça va me permettre de gagner. Je l'ai vu, la glace. Avec le piano, allez. J'ai même pas fait gaffe, je voulais faire la brique. j'ai vu la glace dans la tête, t'as fait. Non, Newell, s'il te plaît. Regardez, genre. Surtout sur cette map. Voilà. Ah, horrible. Avec le vent, la glace, c'est horrible. Petit message à tout le stream qui joue à Tricky Tower. À tous ceux qui mettent de la glace sur des maps avant. Oh, c'est trop bien, moi je fais ça tout le temps. C'est ce que je viens de faire en fait. En vrai, Tenez, c'est ce que je viens de faire en le faisant pas exprès parce que je voulais mettre le truc des briques pour avoir un truc stable, mais. T'es trompé de bouton. Voilà. Ah, ça arrive. Ça arrive, ça. Ouais. Ah, en vrai, ouais. Je me trompe beaucoup souvent de. Un ami qui me l'a donné Vegas Pro, donc je vais pas vous le donner. En vrai, l'autre, si on réussit à se tromper aussi beaucoup de boutons, ça serait pas facile tous les jours, je pense. Ah ben, il y aurait pas de demain en fait. Ah, regarde à toi. Ah merde. Ah bah, j'ai. L'archime, j'ai gagné. J'ai plus rien. Au moment où il a win, je suis passé de deuxième à dernier. Oh, rien. Ah voilà. Il reste deux blocs sur ma tour. Chaud. Ah, c'est je rappelle une fois avec Nino, il était premier, et là d'un coup sa tour se casse en deux, mais par. J'ai eu le coup comme ça, j'étais dégoûté. Non, mais une action divine, mais quand je te dis que ça a rasé sa tour. C'est ah, moi j'ai une fois, j'ai toute ma tour qui est tombée. Non, mais il ne restait pas un seul bloc. Il t'est arrivé la même chose. Il devait rester deux ou trois blocs en bas, tu vois. Mais genre vraiment. Non, lui vraiment. Rien du tout. Alors, j'accepte plus personne sur Steam, j'ai plein de demandes en plus, c'est un peu chiant. Je préfère garder des gens que je connais vraiment très très bien. Et garder quand même mon petit côté, comment dire, privé en fait. Au moment, j'ajoute bah c'est surtout que des fois je suis pas forcément... Des fois, déjà c'est pas moi qui... Ah par contre ça l'autre c'était Des fois c'est pas moi qui utilise mon compte Steam, c'est ma petite soeur qui a 6 ans et tout, du coup...
Je me sens quelque peu... En train de faire de la merde, ouais. Je suis en train de lire les commentaires. Moi, je me sens très sale pour toi, là. Bah après, j'essaie quand même de me protéger un minimum. J'ai déjà eu des mecs un peu bizarres qui avaient essayé de m'envoyer des messages très bizarres et j'ai eu un peu la flip. Donc maintenant, je fais vraiment gaffe et je préfère mettre tout de suite un hola plutôt que de me retrouver dans une situation à la con, en fait. Ouais, parce que des moments, il y a des mecs qui sont bizarres et ils poussent qu'à... Rien que là, quand la dernière histoire de Kayane, moi, ça m'a foutu les boules. Hein. Ah mais non, j'ai entendu parler de ça, ouais, ça... Ah, j'étais pas bien. Moi, j'ai pas du tout entendu parler, mais... Bah, en fait, elle avait un gros stalker qui se prenait pour son petit copain. Son petit copain. Ah, oui. Ouh, j'ai... Oh là, oui. J'ai eu des mecs qui m'ont fait des demandes bizarres. Là, t'es quête, rapidement. Je ferais peut-être un Discord spécial pour mes abonnés un jour. Ça ouais, ça pourrait être pas mal. Il y a des... Non, mon truc il tombe. Chez Benza, il avait fait ça. Je dirais pas pour le nom exact du truc parce que il y a encore des mineurs ici quoi. Mais je sais qu'il avait fait ça pour un de ses lives qu'il avait fait. Oh, je crois que je sais lequel tu parles. Ouais, mais genre il faisait venir un par un les abonnés quoi et après les renvoyer quoi. Mais voilà. Pour juste qu'ils peuvent pas se dire une petite phrase ou expliquer leur histoire quoi. Puis voilà. Peut-être ça, je sais que ça se fait. Et puis après, je suis pas forcément obligée d'être tout le temps en vocal, quoi, si je veux être tranquille. Oui, de toute façon... Oh non, je suis nulle. Je suis vraiment nulle ce soir. C'est faire sur Discord un channel fermé stream. Et puis comme ça, tu mets vraiment ce que tu veux dedans. Oh et puis les non, Jupiter, tu dois tellement être dégoûté. Il a perdu tous ses blocs, quasiment. Oh, ça c'est vraiment triste. Il me reste plus que 4. Ah, on a encore un archimage de niveau 5 avec nous. Je tombais sur un archimage de level 18 une fois sur Tricky Tower. Ouais, moi, level 22 pour une fois. Le mec, il passe sa vie sur le jeu, quoi. Eh, mais Téné, je me demande comment ils font, parce que le gars contre qui je suis tombé une fois, le gars, t'as à peine le temps de que les 3 numéros pour dire que ça commence, il se lance, quoi, que le gars il a déjà fait presque toute sa tour pour... Ah, mais moi, j'ai l'archimage level 18, j'avais le temps de poser, quoi, 3 blocs, lui, il en avait déjà mis 12, tu sais. Ouais, voilà, c'est ouf. Ouais, ils ont... En fait, tu vois, toi, ou des fois, de temps en temps, tu vas potentiellement, quand tu te fais en confiance, appuyer sur le bouton bas pour accélérer tes blocs. Ah, regarde, ah, déjà, je le fais plutôt régulièrement. Regarde tout ce qu'elle a posé déjà, elle. Archimage. Regarde. Mais il y a des mecs de base, ils ont mis le bouton bas et ils se disent, oh, on s'en fout. Pas peur. Non, ça c'est embêtant. Ça, ça passe ou ça casse. Non, mais ils font des trucs parfaits. Je me sens pas dans ma stabilité, là. Ouais, non, je. Parce qu'en fait, je discutais, mais là, je suis pas stable. Oh, je suis retenu. Putain, elle a déjà fini. Ah ouais, elle a déjà fini. Mais ça m'est déjà arrivé de rage quit parce qu'il y avait les archimages, c'est-à-dire je les vois dans la file d'attente et je me barre et j'attends une autre partie parce que c'est insupportable. Pareil. Ils sont vraiment trop forts. Tu vois quand nous on fait le tour, on va dire, qu'on prend toute la maison et qu'on essaye de la faire un petit peu large pour être stable, elle l'a fait 2 blocs de large. Je sais pas comment elle fait. Archimage de niveau 5, bonjour. Je viens vous... Je vais vous montrer qu'il comment jouer. Ouais, voilà. Ah, il a gagné. Je viens vous mettre une fessée. Je vais vous rappeler que vous êtes plaisant. Du coup, c'était la dernière partie parce que là j'ai bobo la tête. Et du coup, je vais arrêter. Puis il va être 19h30 en plus. Mm-hmm. Ah, déjà ? Ouais, faut que j'aille faire à manger. Vas-y vite, hein. Ah ouais ? En tout cas, j'ai été très content de faire ce live avec vous. Ouais, oh, cool. Je suis bien amusé. Moi, et puis j'ai pu faire la pub pour ma future série sur Amon 2. Oh, allez, abonnez-vous. Du coup, dernier teasing pour ceux qui sont encore là. Demain, je sors une nouvelle série sur ma chaîne. Ce sera sur un jeu pointé et cliqué, comme on dit en France. De type très joli. Français, ouais, tu vas sur Steam en français et ça te dit le jeu pointé et cliqué. Du coup, j'ai rigolé, du coup, je l'utilise tout le temps. Bon, alors, moi, je tiens à le dire hein, sur cette note de fin. Je viens de battre, hein, l'archimage de niveau 5. Avec moi. Bon, voilà. Je l'ai battu une seule fois, je n'ai pas gagné la guerre, mais j'ai déjà cette petite victoire pour moi. Je me sens fier. C'est une petite victoire pour cette grande guerre. Normalement, je vais publier le... Ah, moi je dis pointer et cliquer, je vais vous torturer avec ça parce que je trouve ça drôle en fait. Puis comment dire, mon accent anglais est assez particulier donc vaut mieux pour vos oreilles que je parle français. Pointant de clic. Pointant de clic, non, j'exagère mais je parlerai pas.
ne désabonne pas. Mais comment dire, honnêtement, pour moi, j'ai pas beaucoup de jeux de multijoueur où je peux jouer avec vous. Du coup, Trekkito War, je trouvais que c'était une bonne solution parce qu'il est pas trop trop cher en plus. Il est pas trop cher, il est bien sympa. Pas il est de tête. Ouais, même les niveaux ouais, solo et tout, ils sont vachement cool. Ça aussi, Kissy, c'est multi, vas-y, partage. Oh. Allez. Au niveau des épreuves en solo, je suis à 30 sur 50. J'arriverai un jour à dépasser les 30, mais j'y arrive pas. La rediff sera sur YouTube, normalement, ouais. Non, Joël, fais pas ça. Toi aussi. Glisse bien. Fallait faire glisser l'autre. Les épreuves infinies sont sympas aussi. Honnêtement, Trekkito War, c'est un très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Pour le contenu qu'il y a et la durée de vie qu'il y a, parce que tu peux jouer tout le temps avec n'importe qui, 15€, c'est pas cher, en fait. Quand tu même avec n'importe quel niveau, même si y en a, ils sont plus forts, après, tu peux tester, quoi. Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Ouais, ouais, il est cool. Aussi. Ouais, dites coucou YouTube. Terminé, allez, ouais. C'est parti, c'est le moment. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Voilà, voilà. Tombe pas. J'ai pas compris. Ah, Noël, c'est beau. Après, ça sera avant. La semaine prochaine, le live, ça sera vraiment sur le jeu qu'on va faire avec les copains. Pour une petite série en live sur Twitch. Et après, la semaine d'après, s'ils sont pas tous dispo, bah du coup, je reviendrai sur Trekkito War, Fortnite World. J'aurais peut-être trouvé encore un autre jeu, on pourra jouer. Bah, je le connais un petit peu, Maillard. Puisque bah, j'ai un petit peu tourné avec lui sur Vampire 2. Mais moi, je regarde pas de stream la nuit. Bah, j'ai mal à la tête le soir. Du coup, c'est pour ça que 19h30, c'est ma limite, en fait. Ça a dû être ultra bien de tourner avec eux, n'empêche. Le prochain live pour Trekkito War, en tout cas, ce sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Au moins, au minimum, ça dépendra après. Mais la semaine prochaine, on a prévu autre chose. Je le connais pas plus personnellement, non. Voilà, bah moi je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Faites des bisous les autres. Oh, on vous fait des bisous à tous. Tryhard. Bisous. Non, je fais des bisous à tout le monde. là c'est le tryhard, là c'est... J'entrevois un espoir de victoire contre un archimage, là. Ah, c'est sûr, les archimages. En dehors du live, des fois, oui, je joue sur Trekkito War. Au pire, je pourrais l'annoncer sur Twitter quand je joue sur Trekkito War. Ça se fait. C'est ça. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai aussi Facebook, mais je l'utilise un peu moins parce que bah, j'aime pas trop ça. Voilà. Franchement, je ne sais pas si je gagne, mais si je gagne, c'est fini, c'est avec toi. Un coup des bisous, à bientôt.